ça. Il ne me commande pas. Ça c'est quoi? Qui doit faire le fait ici là? Il ne me commande pas. Ça c'est quoi? Qui doit faire le fait ici là? C'est parti pour vous dire. Bon, c'est parti, on a un direct. Moi je regarde mes vidéos, je regarde. Comment on appelle la femme là? Je regarde les vidéos de Cameroun sur YouTube. Moi, je ne suis pas une femme. Je regarde après, parfois, je regarde mes propres vidéos. Donc, ce qui fait que je regarde parce que ce que gens disent, ça n'a pas arrivé que si je tombe sur Cameroun, Afrique, et puis un truc, hein? Donc, partagez le direct, s'il vous plaît, mes amis. Partagez. Voilà. C'est fini, Doudou Ngaba, je ne te clash plus. Compresseur, je ne parle plus de vous. Ça sert à rien de venir insulter, franchement. Ça ne sert à rien de venir m'insulter. Nous sommes en 2020. Je ne clash plus Doudou Ngaba, je ne l'insulte plus. Et que quoi? Je ne l'insulte plus, compresseur. C'est fini tout. Après, on va dire que quoi? Votre sorcellerie, là, vous venez bien arrêter. Tu vas rentrer avec. Appelle, non, si tu as une femme, appelle encore. Il doit le laisser. Je ne clash plus personne. Vous mentez. Je vous ai vu. Je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas content. Warriors, Warriors. Je suis une Warriors. Tu peux me parler plus que moi. Prépare. Si tu peux. Allez vous asseoir, vous clasher, non? Allez vous asseoir, vous clasher. Ouais, parce qu'il y a les gens sur la toile qui cherchent les 6 heures du jour. À cause de les néo. Non, je ne suis plus là-dedans. Il y a 2019, c'était autre chose. Nous sommes en 2020. Vous comprenez? La vie continue, chaque personne prend sa route. C'est fini. C'est la souillure. Tu souilles les femmes. Tu nous as souillés. J'ai fait ce que j'avais à faire. C'est fini de tout. Si on avance. Si vous continuez à m'insulter, je serai obligé de vous bloquer. Non, je ne suis plus là-dedans. Il y a 2019, c'était autre chose. Nous sommes en 2020. Vous comprenez? Bon, là, ça suffit. Quand moi, je fais ma chose, est-ce que c'est vous qui me dites de clasher quelqu'un? Quand je clash une personne, après, je sais pourquoi je le fais. Parce qu'il y a des éléments qui prouvent que cette personne qui m'a fait ça. Si vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je pense, à ce que je dis, pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Il faut se dire les vérités. Est-ce que je cache quelque chose, moi? Je ne cache jamais rien. Pourquoi vous ne voulez pas accepter la réalité? Pourquoi vous ne voulez pas accepter ce qui est vrai? Je veux parler maintenant mes choses. Je danse ma danse. Ici là c'est la réunion de famille. Nous sommes dimanche et il y a réunion de famille ici. Sujet du jour, soutien à Longa Longa. Et ils se mettent à bavarder. Vous êtes qui? Si on parle du président Paul Biya et de la première dame, Chantal Biya, vous êtes qui qu'on parle pas de vous? Vous avez compris? Il a ma faux. La bonne charité commence par soi-même. Que tu envoies d'abord un mandat à Longa Longa. Ça dit qu'un. Quand vous ne voulez pas qu'on parle de vous, vous vivez vos vies discrètement et on ne parlera pas de vous. Arrêtez vos histoires là. Je vous dis que je suis le syndic. Je suis la présidente des syndicats des vendeuses de poivrons. En retraite, s'il vous plaît. Tu peux créer une association? C'est la PDG internationale Fleur de Lille qu'on ne présente plus. La seule qui prend la télécommande, non? Effectique, ça fait tac. La seule que personne... Donc, quand elle reste comme ça, non? Dès que... Si elle veut faire parler, les gens, elle fait parler quand elle veut et comme elle veut. C'est ça, une star. Arrêtez! Même le lion tombe. Même le lion tombe. J'ai écouté les pleurs. Les pleurs de notre artiste libérateur qui nous dit que il y a une fille qui a mangé son argent qui s'appelle Nika. Qui mentait. Nika. Nika, c'est la fille qui chante. Complétons-nous avec moi là. Que Nika a mangé son argent, il payait 50 000. Calculez un peu voir. 50 000 chaque fois quand il faisait l'amour. Les petites salopes qui ont volé aussi 400 000, 500 000. Et il a nias 20 fois. On va dire, on va caler sur 20 fois. Il a dit que il a nias avec la fille 20 fois. Et chaque fois, il donne...
Chaque fois, il payait d'abord 50 000 à Nika. Il déclare, le libérateur déclare que cette fille, c'est une pimentière. Une vendeuse de piment. Une prostituée de première classe. C'est-à-dire qu'il vient nous trahir que non, Nika est une pimentière. Tu comprends, non? Il faut dire les choses comme elles sont. Cette fille, c'est une vendeuse de piment. Ho-ha! Je le dis ho-ha! On souffre! Entre-temps, pour goûter son piment, chaque fois c'est 50 000. Aïe! Oui, elle a dit qu'elle s'en fout. Donc maintenant, moi je suis dans pour griller. Chaque fois, Nika, je vais vous parler bien de Nika. C'est qui chante, if you love him, c'est une vendeuse de piment. International. Et qu'il payait 50 000 francs la nuit. Ça fait 85 euros, c'est ça non? Donc chaque fois que Nika voulait 50 000, elle vient. Tu peux imaginer donc combien de fois? Yes. Chaque fois, quand elle vient, elle dit donne-moi d'abord mon argent. Ils ont fait l'amour plus de 20 fois. Chaque fois. Pourquoi me donne son piment? Nicolas. 50 000. Donc, je pense que Longuet lui-même a dit une fois, on ne fait pas le crédit. Je crois que vous pouvez vous... On ne fait pas le crédit dans le piment. Maintenant, comme j'avais dit qu'aménageons ensemble, elle a dit, donne-moi 1 000 000, j'ouvre mon shopping. Un jour, donc, je l'appelle et je dis que bon, voilà 500 000. Hein? Mais comme je veux que mon relevé bancaire ait de mouvement, prends l'argent, s'il va mettre à la banque. Demain, tu viens, je te donne. Elle prend les 500 000, elle part avec. Voilà. Donc, le libérateur ne doit pas pleurer par rapport à ça. Si on veut calculer, c'est lui qui doit encore de l'argent à la fille. L'argent, là, c'était pour qu'on aménage ensemble. Et on va dire que les 50 000, c'était hors charge. Parce qu'elle t'a fait 50 000, tu n'as pas payé les charges sur ça. Si on veut rajouter, parce que le libérateur, tu dois beaucoup d'argent à cette fille. Parce que c'était hors charge. Et que ton argent reste 500 000, je ne veux rien entendre. Tu as pris 500 000. Même si tu as pris ça dans l'escroquerie, ce n'est pas grave. Tu comprends, non? Je cherche 500 000, elle dit que jamais rien n'aménage avec moi. Elle va me rembourser. Et un grand artiste comme le Barracuda, mais c'est honteux. C'est honteux. Comment tu, donc tu payes l'amour? L'amour ne se contrôle pas en fait. Comment tu peux payer l'amour? C'est pas les Africains. Hein? Non, même le lion tombe. Un artiste comme ça, un grand maître. Un homme qui fait trembler le pays. Oh, tu payes l'amour? Est-ce qu'on achète l'amour? Je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Donc c'est pour dire que j'ai envie de donner conseil par rapport à ça. Tu n'es pas bien placé de parler quoi que ce soit ici à Facebook. Vous voulez m'imposer à marcher à votre rythme, à parler comme ça vous arrange. Non, pourquoi? C'est la nouvelle année, on ne va pas commencer dans les problèmes. Tu sais que tu n'es rien, mais tu veux montrer à Facebook que moi je. On est ça. Maman Perpé est directe, elle dit ce qu'elle pense. Ne venez pas me rendre déjà et bobo. Ce que je pense, je ne peux plus dire parce que vous allez vous fâcher. Je peux dire ce que je pense. Les gens sont incapables de créer quoi que ce soit. Ils sont en train de cirer les fesses des autres femmes dans les réseaux sociaux. Et on va dire qu'on a... Vous avez créé quoi? Montrez ce que vous avez créé. Rien. Elle apprend à préparer comme la veuve à appuyer sa mère. Ding 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 ding, ding ding ding, maman. Le temps de ça. Et je ne veux pas lever ce direct là, je le laisse là. Non, ça nous fait honte. On peut pas plaire, on peut pas plaire tous les jours. Hein. Ah non, je suis désolée. On peut pas plaire tous les jours. Il doit le laisser. Maintenant, celui que j'ai fait un direct, celui que ça n'a pas intéressé, que ça n'a pas plu, il fait peut-être, il passe. Je dis que tout à l'heure, là, je reprends les rênes. Tu te sens visé pourquoi? Vous vous sentez visé pourquoi?
quand vous êtes incapable de faire quoi que ce soit des réseaux sociaux, de montrer quelque chose qui vous appartient, ne prenez pas pour les gens. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne savez pas ce que je vis. Tout ça, là, tout le bruit là, vous avez fait quoi? Les boyaux, et c'est moi-même qui nettoie tout. Maman, il y a le poisson brisé de ça. Moi, j'ai fait des poissons brisés. Les vrais poissons brisés. Maman. Pas de photo. Il n'y a pas les poumons. Moi, j'ai fait les misouna. Les misouna, comme j'ai appris. Parce que tu ne peux pas faire les misouna. Attendez, regardez bien. Ça, c'est la serviette. Non, on appelle ça la serviette au Cameroun. Donc, on appelle ça normalement trip. Donc, disons que ça, c'est un peu gros. Ça, c'est les trip ici. Hmm? Ça, c'est trip, non. Tu vas tourner les trip comme ça. Et tu attaches comme ça. Et tu dis que ça, ce sont des tripes. La serviette seulement avec le tout du ventre, qu'on appelle ça, les intestins là. C'est ça qu'on appelle tripes, ça. Mathé m'a dit que les misunga, c'est les tripes qu'on attache avec les boyaux, c'est tout. Non, désolé pour vous. Désolé pour vous, et ça, vous ne m'aimez pas. Mais les tripes, c'est fait comme je fais avec le cœur, les poumons. Les gésiers, ça, les gésiers, c'est un peu difficile, mais les gésiers peuvent se mettre. Il y a des gens qui commandent uniquement type gésier. Que le vrai misunga, c'est comme ça. Donc ça, c'est les tripes. Mais les tripes qui sont déjà blancs, bien lavés. Bien lavés. Pas les caca que les gens laissent dans le... Vous avez vu, non? C'est ça. Voilà ça. Voilà les tripes de bœuf. Vous connaissez les tripes de bœuf, ça se présente comme ça. Ce sont les abats, la panse. La panse du bœuf, c'est ça ici, là. Que je nettoie moi-même, voilà, comme ça. C'est ça là, elle est toute fraîche encore. Voilà, elle est toute fraîche et je la nettoie. Voilà, cette belle partie là qui s'appelle la serviette. Voilà, que je finis d'attacher comme ceci et ça devient ça. Voilà, ça s'appelle le misunga. Le misunga, c'est une appellation d'origine camerounaise, plus précisément au centre. Tu prends les trucs, tu prends la serviette, tu tournes comme ça. C'est ça les misunga. Non, ma soeur. Mais non, je suis pas d'accord avec ça. On appelle ça arnaque. Tu arnaques les gens. C'est tout. Moi, je connais une femme au pays qui fait le misunga. Elle met les boyaux, le foie, le pancréas, les poumons. Elle me dit que non, jamais ça, ce n'est pas comme ça qu'on fait le misunga. C'est une vieille femme qui dit. Quoi? Ah, mof, je vais vous dicter ma façon de faire. Vous êtes qui? Je vous donne les mains. Je vous donne le salote, n'est-ce pas? Tchaka! Quand vous ne savez pas faire quelque chose, il ne faut pas tenir à vous. On dit qu'il ne faut pas trop faire de bruit pour rien, alors que tu ne sais rien faire. Que ces femmes-là qui discutent les boyaux, s'il vous plaît, vendez-nous plutôt les moules. Faites-nous découvrir, vous vivez en France, arrêtez de vendre les cacas de bœuf. Faites-nous découvrir les moules, le foie gras de canard, les cuisses de grenouille. C'est ça? Non. Arrêtez! Attendez, je ferme d'abord la marchandise. Parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Moi, mon piment, c'est un piment de consommation. Il y a beaucoup d'acheteurs. Attends, elle vend le piment, c'est sa vie. Si un coup de pied me tape au niveau de mon appareil du piment, et que quoi? Le piment. C'est une vendeuse de piment. Oh, ha! Vous ne me donnez rien et je brise mon appareil du piment. Mais me voyez après. Ça décourage. Ça fait trop mal. C'est pour ça qu'on est découragé. On observe la scène. Quand on a observé la scène, c'était en train de descendre. Quand j'ai vu la basse malmenée, mon père à Genève. On a vu comment ça descendait. Je n'habite pas loin de Genève. Hein. Tu as compris. Donc, allez vous faire foutre. Donc, mon petit agent, que...
Hein? Tu finis d'écraser ton piment, ceux qui savent préparer le piment là. Je mets ça dans la voiture pour venir de prendre mon père. Et quand les gars de là-bas vont me croiser. Vous avez peur de quoi? Écoute Ayeté, mes dents que je viens de mettre là, c'est pas vous qui m'avez mis ça. Il me casse encore ça. Je retourne à l'hôpital au frais de qui? Tout ça, c'est pour ça que nous, on dort, on observe la scène à distance. On a observé la scène. Brenda, pourquoi tu ne viens pas souvent garder ton père quand il vient en Europe? Les gens le détestent, hein? Il faut souvent venir. Est-ce que Brenda Bia savait qu'elle va naître à étudier? Comment Brenda, sous la caution de sa maman, peut inviter un abruti? Donc, si vous n'avez pas réussi à vous en prendre à leurs parents, à Machantou et à son mari Paul Biya, laissez cette petite fille tranquille. Elle n'a pas demandé à naître là. Elle fait son temps. Elle fume à Chichas. Elle fait ce qu'elle fait là. C'est le temps. Elle ne vous doit rien. Laissez Brenda Biya tranquille. Ça nous fait mal. On a mal. Brenda est innocente. Vous comprenez? Brenda est innocente. Il faut laisser les enfants des gens. Les ex-Maléa, vous les sautez derrière pour aller inviter les Nigérians. Parfois, je regarde les photos, je vois Singila. Singila, il est venu chanter pour la première dame à son anniversaire. Pourquoi vous voulez faire ça? Pourquoi vous faites ça? On vous défend bec et ongle à toutes les positions où j'ai trouvé qu'on est en train de vous chiffonner. J'ai mis ma bouche. Et où est l'intérêt? Vous l'avez, vous êtes une gamine. Vous avez essayé de voir son père, insulter son père, humilier son père ici en Europe, en Afrique, partout. Il est resté calme. Maintenant, vous vous en prenez à une petite innocente. Comme vous ne voulez pas nous donner l'argent, vous voulez qu'on se lève pour aller attendre Paul Biya avec le froid de Mbengla. On va laisser nos gars pour aller défendre Paul Biya. Si la balle me prend là-bas dehors, les poches sont vides et la balle me prend, qui va signaler que je suis même morte pour la cause de Paul Biya? Qui va le dire? Vous pouvez même le dire. On ne sait pas là quel ventre on va naître. Arrêtez-moi ça. Donc les Camerounais ne doivent pas profiter de vous. C'est les Wizbiz qui doivent profiter de vous. Et pourquoi Wizbiz ne vient pas vous défendre? Vous avez observé que la diaspora aujourd'hui ne se lève pas pour venir vous accueillir quand vous venez en Europe, non. La débâcle de la dernière fois. Le petit qui a donné la gifle là, vous savez qu'il est menacé de mort. Toi, ton rôle c'est quoi dans ça? Ton rôle c'est quoi? Procure de ta sage chien de mère. Si tu vas attendre, je ne t'aime pas. Je t'ai jamais aimé. Alors je te dis, toi, je te dis, rip, dégage. C'est quoi? C'est de me nuire? Tu as vu que je suis le genre de femme qu'on peut nuire dans sa vie. Tu as vu mon acabit? Je te pose la question. Dis que j'ai occupé mes mojang. Le nom, pas les mojang là. Non, j'ai occupé personne là-bas. J'ai occupé le nom mojang. C'est mon nom, c'est moi qui a créé le nom Mojang. C'est comme ça. Je t'ai déjà eu au téléphone, comme beaucoup d'autres t'ont eu au téléphone. Tu as compris? Partagez, parce que ce que je vais dire aujourd'hui là. Vous pensez que je fais comment pour insulter les gens? Parce que je comprends ce que les gens disent sur moi. Je lis ce que les gens disent sur moi. Vrai ou faux? Je suis la maîtresse du dehors. Où tu me vois là, si j'ai pris l'initiative de dire que oui, je gère le dehors, je suis dehors. Je dis que même ceux qui veulent vendre le piment. Mais attends, elle vend le piment, c'est sa vie. Chacun fait de sa chatte. Chacun fait de sa chatte ce qu'elle veut. You understand? Do you understand me? Et moi, je dois pas me défendre? Hein? Chacun fait de sa chatte ce qu'elle veut. Mais je ne suis pas ma foufou. Je ne suis pas ma foufou. I will touch you. Je dis que je veux déterrer tes anciens ancêtres qui sont morts avec des qui sont morts sans secret là, qu'on a jeté dans les poubelles. Tu me connais? Continue avec moi. Je suis seule. Je vous ai dit que chaque jour que j'ai créé, je veux faire pap à une personne. Ça veut dire que quelque part j'ai un pouvoir. Je ferme souvent ma bouche parce que je respecte les gens. T'as compris? Je ferme souvent ma bouche parce que je respecte les gens. C'est comme ça qu'elles sont. Maman, tu es maman, ça qui? Je suis prête à mettre tout Facebook à dos pour vous.
les pétasses comme vous. Je ne suis pas là pour te caresser au sens du poil. Tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris? Dégage. Tu veux me dire dégage dans mon jour. Elle ne sait pas que le gouvernement est en danger. Hmm? Donc moi, on paie les gens pour m'insulter. Vous payez les gens pour m'insulter? C'est comme ça qu'ils sont. Dès que tu veux parler, on vient signaler. Il doit laisser. Donc nous, les Français, nous sommes arrivés dans ce pays. On s'est dit, à checker, on ne mange pas de la checker. C'est du manioc. Et c'est du manioc qui constipe. Nous avons refait. Hé, hey, Claude Akamé de... Claude Akamé. Magazon, t'as encore fait quoi? Fleur de Lille. Ma Bangala. Quand Claude Akam ressuscite comme ça, c'est que Magazon a déclaré forfait pour la guerre. Moi, je ne suis pas sur Internet pour chercher, je ne sais pas quelle ambition les autres ont. Bientôt, je vais me marier. D'ailleurs, je salue mon fiancé de 53 sentiers. Il y a les femmes qui cherchent les gigolos comme elles ne trouvent pas dehors. Parce que c'est un gigolo qui a les moyens de sa politique. Maman dort en Bangala alors. Heureusement qu'elle sait se défendre. J'ai reçu un coup de fil très important là. Je m'en vais un peu savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Je vous embrasse. Bonne journée. À ce soir. Passez vos commandes. Si vous voulez m'encourager, encouragez-moi. Ça ne sert à rien de passer les commandes. Vous ne venez pas chercher. En même temps, vous m'insultez. Bonne journée. À bientôt.